Il Bon, on va commencer, on va faire les choses un petit peu différentes. Donc, si vous voulez écarter pour voir, si vous avez envie, on va faire les choses un petit peu différentes qu'habitude. Ce soir, on va faire encore de Sivananda Yoga. Donc, c'est juste une autre façon de faire le yoga. Donc, nous, normalement, on fait le Hatha ou le Vinyasa Yoga. Mais ce soir, on va faire le Sivananda Yoga. Donc, c'est toutes les postures que tu connais déjà. Mais on fait dans un différent ordre. Et il y a beaucoup de relaxation. Il y a beaucoup, beaucoup de shavasana dedans. Donc, vraiment, on fait une posture. Et après, presque chaque posture, tu as un shavasana après. C'est une façon de connecter un petit peu plus, pas forcément énergétiquement, mais de vraiment ressentir qu'est-ce que chaque posture fait pour toi. Donc, c'est juste ça. Il y a autre chose aussi, mais on va juste faire ça, c'est une autre façon de faire. Après, tu vois si ça te convient, si ça ne te convient pas. Mais pour la plupart du temps, c'est bien. C'est tout. Donc, trouve une position. En fait, allongé par terre. Déjà, on commence dans un bon shavasana. Donc, allongé par terre. Écarte les bras, écarte les mains. Vous avoir les petites musiques. Juste respire. Et vraiment juste allonger et tu juste relâche ton journée. Vraiment relâche toutes tes pensées de la journée. Toutes les choses que tu avais fait aujourd'hui. Toutes les réflexions, toutes les rencontres. Toute ton journée, tu vraiment juste laisses descendre dans la terre. Tu laisses la terre absorber toute l'énergie de ton journée. Toutes les choses qui sont restées. Tu sens ton ventre qui gonfle et dégonfle. Ton ventre qui gonfle et dégonfle. Ouh, chaque expiration, tu juste sens ton corps qui relâche un petit peu plus. Respire. Vraiment, chaque inspiration, chaque expiration, tu juste commences vraiment à devenir présente dans ton corps. Les différentes sensations, les différents endroits, peut-être où il y a les tensions. Et tu juste respire, relâche. Après, fais une grande inspiration. Expire. Ah. Après, tourne sur un côté, repousse assise, trouve une position confortable assise. Et on va faire la respiration alternée. Donc, on va juste mettre les mains autour de la narine. Si tu aimes, tu peux mettre les doigts majeurs et les doigts index sur le troisième œil. Si tu aimes de faire autrement, tu fais autrement, comme c'est confortable pour toi. On va fermer la narine droite
et inspirez avec le narine gauche. Ferme les deux, pause. Expire avec la narine droite. Inspire avec le même. Ferme, fais un petit pause. Expire avec la gauche. Inspire. Pause. Expire avec l'autre. Inspire. Ferme. Pause. Expire avec le gauche. Inspire. Ferme. Pause. Expire. Inspire. Ferme, pause. Expire avec le gauche. Inspire. Ferme, ferme, pause. Expire avec le droit. Tu peux fermer tes yeux. Inspire. Ferme, ferme, pause. Expire avec le gauche. Inspire. Ferme, pause. Expire. Inspire. Ferme, pause. Expire. Inspire. Ferme, pause. Expire. Inspire. Ferme, pause. Expire. Inspire. Ferme, pause, expire. Et dernière fois, inspire. Ferme, pause, expire. Après, tu peux relâcher les doigts, juste respire. Et vraiment, ressente le poids de ton corps assise, le longueur de ton colonne vertébrale. Et pour le moment, juste ressente les touches de tes mains, le poids de ton corps par terre, les touches de tes mains quelque part sur ton corps, les touches de tes vêtements. Sente cette sensation de touche. Après, être avec la sensation de l'écoute. Écoute, entendre les différents sons. Après, être avec la vue, être avec la lumière derrière tes yeux. Après, être avec les différentes odeurs. Et après, le goût dans ta bouche. Être présente avec ces cinq sens, avec cette information de l'extérieur.
Et juste ressens comment tu es secure, tu es OK, tout va bien. Donc, avec tout l'enfant qui vient vers toi, tu es OK. Donc, juste respire, juste ressens que tu es OK. Tu commences de laisser ton système nerveux relâcher, reposer, digérer. Ressens le ventre qui gonfle et dégonfle. Et après, avec chaque expiration, tu vas commencer de devenir plus et plus à l'intérieur de toi. Tu vas commencer de vraiment aller à l'intérieur, à ce centre de toi qui est la présence. Ce centre de toi qui change pas, qui est toujours là, toujours présente. Qui n'a rien à foutre avec l'extérieur, mais qui est là. Donc, juste respirer, chaque respiration, tu commences à toucher cet endroit un petit peu plus, un petit peu plus. Tu commences à trouver le calme. Et après, refais une grande inspiration. Et expire avec un son. Ah. Et ouvre tes yeux et on va commencer debout. Donc, on va faire quelques salutations. Quelques salutations assez vivantes. Donc, juste trouve ton position montagne. Les mains, position prayer, connecte avec ton cœur. Et après, inspire up. Et peut-être tu légèrement plies derrière. Et expire, plie en avant. Inspire, on amène la jambe gauche derrière. Descends le genou, lève la poitrine, lève-le. Faites. Expire, pousse en planche. Descends les genoux et descends le menton, la poitrine. Inspirez, serpente. Expirez, chien. Inspirez, amène le pied gauche en avant. Descends le genou droit, lève la poitrine, la tête. Expirez les deux pieds ensemble, tendez les jambes. Inspirez, redresse les bras, peut-être tu plies un petit peu derrière. Expirez, descendre les mains à ton cœur. Donc, on va faire avec les respirations. Inspirez. Expirez, plie. Inspire cette fois la jambe droite derrière. Descends le genou, lève la poitrine. Expire planche, descends comme tu veux, comme tu peux. Roule les épaules. Inspire serpent. Expire chien. Inspire, amène le pied droit en avant. Expirez les deux pieds ensemble. Inspirez, redresse. Peut-être tu plies un petit peu derrière si c'est confortable. Expirez, descend les mains. Donc c'est assez vite, mais on y va, on continue. Inspirez up. Expirez, plie. Inspirez la jambe gauche derrière. Expire, planche, descendre comme tu veux, comme tu peux. Inspire, serpent. Expire, chien. Inspire, pied gauche en avant. Expire, les deux pieds ensemble, tendu les jambes. Inspire, redress.
tu plies derrière si c'est confortable. Expirez, descendre les mains. On continue. Inspirez. Expirez, plie. Inspirez les jambes droites derrière. Expirez, planche, descendre comme tu peux. Inspirez, serpente. Expirez, chien. Inspirez, les jambes droites en avant. Expirez, les deux pieds ensemble. Inspirez, redresse. Expirez, descendre. Et une dernière. Inspirez. Expirez, plie. Inspirez, jambe gauche derrière. Expirez, planche, descendre comme tu peux. Inspirez, serpente. Expirez, chien. Inspirez, jambe gauche en avant. Expirez, les deux pieds ensemble. Inspirez, redresse, peut-être tu plies derrière. Expirez, descendre le cœur et après descendre les mains. Respire. Et maintenant, allongé en Shavasana. Donc, le premier Shavasana où tu dis « Wouhou! » Donc, allongé. Les palmes vers le ciel. Écarte les jambes où c'est confortable. Et juste respire et juste être présente avec les sensations qui bougent dans ton corps, de tes pieds jusqu'à ta tête jusqu'à tes pieds. Être présente à ton respiration, la vague de ton respiration dans ton corps. Respire, ressente ou la respiration, où tu ne ressentes pas les vagues de vibration. Et tu n'as besoin pas de changer, tu n'as besoin pas de forcer, juste être présente et remarque. Remarque qu'est-ce qui se passe dans ton corps profondément. Après, on va amener les jambes un petit peu plus ensemble. Tu peux mettre les mains un petit peu en dessous de ton fesse si tu as besoin d'aider ton dos un petit peu. Après, on va inspirer, lève les jambes droites, flex le pied, juste en jambe si tu veux pour le moment. Et expirer, descendre. Après, inspirer, lève les jambes gauche, flex le pied. Et expirez, descendre. Inspirez, lève les jambes droites. Expirez, descendre. Inspirez, lève les jambes gauche. Expirez, descendre. Si tu as envie de faire les deux à le même temps, tu peux. Mais ce n'est pas obligé. Inspirez, lève les jambes droites. Expirez, descendre. Essayez de vraiment flex le pied. Inspirez, lève les jambes gauche. Donc vraiment, tu amènes les orteils vers ton visage. Expirez, descendre. Inspirez, lève les jambes. Expirez, descendre. Dernière fois. Inspirez, lève. Expirez, descendre et re-écarte Shavasana. Relâche les bras, les jambes.
Respire sans ton ventre qui gonfle et dégonfle. Après, on va rouler sur le côté. Devenir en quatre pattes. Et pour vous qui connaissez comment faire l'équilibre sur la tête, tu peux faire si tu as envie. Pour les autres, on va descendre sur les avant-bras. Et on va vraiment pousser les avant-bras par terre. On va relâcher la tête vers le sol. Tourne les orteils et lève les hanches vers le ciel. Après, tu commences de marcher les pieds un petit peu plus proche. Tu arrives où tu arrives. Donc, tu n'as pas du tout le poids dans ta tête. La tête est juste complètement détendue. Tu vraiment utilises les avant-bras et les épaules pour supporter ton corps. Respire. Si tu connais comment de faire l'équilibre sur la tête, oui, vraiment, mettre les mains peut-être derrière la tête pour aider. Respire. Après, expire, redescends doucement. Longe en position enfant. Donc, juste descends en position enfant, les bras à côté, le front par terre. Vraiment, ressens ton front qui touche par terre. Imagine, il y a tout le sang qui descend dans le cerveau en avant, qui dit, qui fait un petit signal à ton corps que tout va bien, que ton système nerveux peut relâcher, reposer, digérer, que tu es secure. Donc, juste imagine tout ce sang qui descend dans le cerveau en avant. Toutes tes pensées cascadent dans le sol. Après, allonge sur le côté. Allonge sur ton dos. Donc, on va faire la chandelle. Si tu n'as aucune envie de faire la chandelle, tu peux faire les jambes contre le mur et ça, c'est très, très bien. Si tu as envie de faire la chandelle, on va faire la chandelle. Donc, tu as la tête qui reste bien centrée. Tu amène les hanches vers le ciel. Tu supportes bien ton dos avec les bras. Tu n'es pas le poids dans ton nuque. Tu ne tournes pas ta tête. Respire. Relâche ton mâchoire. Mais si tu n'as pas envie de faire ça, tu peux faire les jambes contre le mur sans problème.
Après, doucement descendre la jambe gauche et la jambe droite derrière ta tête. Et doucement, allongez. Doucement, doucement. Allongez les jambes, allongez les bras, Shavasana. Donc, respirez vraiment juste, relâche ton corps par terre, relâche le poids par terre, ressens comment la terre supporte ton corps complètement, tu peux relâcher encore plus, encore plus. Et tu juste restes présente avec cette vague de ton respiration. Retourne les palmes vers la terre et amène les mains en dessous un petit peu les jambes. On va pousse notre poids sur les avant-bras et lève la poitrine. Donc, tu as vraiment le poids sur les avant-bras, tu lèves la poitrine. Tu peux mettre les mains en dessous de la fesse. Après, on va lève la poitrine et relâche le haut de la tête par terre. Tu n'es pas le poids dans ta tête. Tu vraiment ouvres la gorge. Le poids est dans tes bras, dans tes coudes. Lève la poitrine, lève la poitrine, lève la poitrine. Respire. Après, expirez, relâche doucement. Retrouve Shavasana. Si tu as envie, tu peux très doucement tourner ta tête à droite, à gauche. Très doucement. Respire. Et juste ressentir cette vague de ton respiration. Et chaque respiration, chaque expiration, le poids de ton corps fond par terre.
Chaque respiration, tu es plus présente à ce centre de calme, de présence. Et ton corps flotte. Et respire, plie tes genoux, roule sur un côté, reviens assise. Et allonge tes jambes. On va lève les orteils vers le ciel, allonge la colonne vertébrale, inspire up les bras. Et expire, plie vers l'avant. Tu arrives où tu arrives avec les mains. Quand tu inspires, tu vas vraiment tirer la colonne vertébrale. Quand tu expires, peut-être tu plies un petit peu plus. Peut-être, peut-être pas. Donc, juste descendre les mains. Si les mains arrivent à les tibias, elles arrivent à les tibias. Si c'est les genoux, c'est les genoux. Les chevilles, pas importe. Mais juste quand tu inspires, tu allonges le colonne vertébrale. Vraiment, tu tires le colonne vertébrale vers tes pieds. Quand tu expires, tu descends. Relâche ton mâchoire. Donc vraiment, lève les orteils vers le ciel. Après, doucement, redresse, engage les abdominaux, redescend, écarte les bras, écarte les jambes, shavasana. Donc, chaque respiration, tu vraiment relâches le poids de ton corps par terre. Et tu juste ressens les différentes sensations, la vibration de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Juste relâche le corps complètement par terre. Après, plie les genoux. Roule sur un côté et roule sur ton ventre. On va venir sur ton ventre. On va mettre les mains en dessous de les épaules. Roule les épaules derrière. Serre les coudes vers les côtes. Pousse les orteils par terre. Engage ton fesse. Engage tes abdominaux. Pousse les mains par terre et devenir un serpent. Donc, tu n'es pas les épaules à côté des oreilles. Donc, vraiment, descendre les omoplates. Donc, si ça, ça veut dire que tu as besoin de descendre plus sur le ventre, ça, c'est OK.
Serre les coudes, respire. Expirez, relâche doucement. Tu peux amener les mains au-dessus de ta tête et juste tourne ta tête. Et respire, vraiment ressent le ventre qui gonfle et dégonfle, qui pousse contre le sol. Après, return centre. Et deux façons de faire la prochaine chose. On va mettre le menton de soi sur les poignets. Soit on va amener les mains en dessous de le ventre. Après, soit tu vas juste lever la jambe droite. Soit tu vas lever les deux jambes. Respire, mais le menton qui reste sur le sol. Respire. Après, si tu avais juste levé un jambe, maintenant tu descends et tu lèves l'autre. Après, relâche. Recroise les mains en haut et tourne ta tête de l'autre côté. Et juste respire, tourne ta tête, être confortable. Mets ton genou sur le tapis. C'est le shavasana sur le ventre, donc vraiment le poids de ton corps relâche par terre. Retourne centre. On va plier les genoux, prendre les chevilles. Et donc, plusieurs façons à faire. Soit tu juste gardes le menton par terre et tu juste tires les jambes comme ça. Peut-être déjà pour toi, ça c'est beaucoup. Juste continue de pousser le pubis vers le sol. Donc, peut-être pour toi, ça, c'est déjà très, très bien. Pousse le pubis vers le sol, menton par terre, tire les jambes. Si tu veux un petit peu plus, on va commencer de tirer les chevilles vers le mur derrière pour lever la poitrine. Et après, on commence de lever les pieds vers le ciel pour lever les genoux. Respire avec ton ventre. Respire.
Expire, relâche. Retourne ta tête, pas importe quel côté, relâche les bras. Et juste respire, laisse ton corps fondre par terre. Juste être présente avec les différentes sensations. Le ventre qui pousse contre le sol quand tu inspires. Et après, retourne ta tête centre et doucement devenir position enfant. Tu vas voir les genoux qui touchent ou les genoux un petit peu écartés comme tu ressens. Allez doucement, qu'on avait juste plié le dos. Allez doucement, fais attention à ton dos. Après, inspire, redresse. On va deux façons à faire. Soit on croise les jambes et on met le pied droit à l'extérieur de la cuisse gauche, soit tu allonges la jambe gauche. Donc, commence comme ça. Allonge les deux jambes, plie la jambe droite, mets le pied à l'extérieur de la jambe gauche. Si ça, c'est bien, pose là. Si tu veux un petit peu plus, tu juste amènes ce pied à côté de l'hanche. On va mettre la main droite derrière. On va prendre le genou et vraiment tire le genou. Inspire up. Et expire, commence de tourner vers le droit, mais tourne au niveau de tes organes. Donc, vraiment, tourne tes intestins, tourne les organes sexuels, les intestins, les foies, les rates, les reins, le diaphragme, le cœur, le cerveau. Tourne tes glandes, tourne tes thyroïdes, vraiment amène la torsion au niveau de les organes, les glandes. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Donc, on ne force pas les vertèbres à tourner. Les vertèbres juste tournent toutes seules. On ne force pas les vertèbres. On tourne les organes et les vertèbres suivent. Retourne centre. On va faire l'autre côté. Donc, soit tu juste changes les jambes, soit tu mets les mains à gauche et tu tournes et tu arrives l'autre côté. Soit tu allonges les jambes, tu mets le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite, tu amènes la jambe droite, pardon, la jambe
Ouais, droite à côté, si tu veux. On met la main gauche derrière. On prend le genou. Inspire up. Et expire, commence de tourner. Mais on tourne autour de les organes. Donc, tu commences de tourner. OK, je tourne au niveau de les organes sexuels. Je tourne au niveau de les intestins. Après, les rats, les reins. Les foies, le stomach, le diaphragme, le cœur, le thyroïde, le cerveau. Les yeux aussi. Respire. Sens ton ventre qui gonfle et dégonfle. Après, expire, retourne doucement en avant. Après, allongis sur un côté et devenir en position enfant. Juste respire, position enfant. Le ventre qui gonfle et dégonfle. Le dos détendu. Le sacrum qui remplit avec l'air. Mais juste ressens comment tu es secure, tout va bien. Ton système nerveux peut relâcher, reposer, dégirer. Toutes les pensées, toutes les angoisses, les tensions peuvent cascader dans la terre. Après, inspire, retourne quatre pattes. Doucement, pousse en chien. Et après, marche tes mains vers tes pieds. Relâche ta tête, relâche ton dos. Si les genoux restent un petit peu pliés, les genoux restent un petit peu pliés, ça c'est OK. Si tu croises les mains dans les coudes, tu croises les mains dans les coudes. Donc, on n'est plus dans le chien, on est vraiment... On est en train de juste plier vers l'avant. Plie les genoux si tu as besoin. Vraiment, plie les genoux pour que ton ventre, tu voudrais vraiment que ton ventre touche tes cuisses. Tu veux que ton ventre touche tes cuisses. Donc, vraiment, relâche ton ventre contre tes cuisses. Si les genoux ont besoin de plier, plie les genoux. Le dos bien long. La tête bien détendue. Tu peux croiser les mains dans les coudes, tu peux aussi juste relâcher les mains par terre comme tu ressens. Respire.
Grande inspiration, grande expiration. Après, plie les genoux et redresse très doucement. Garde le menton à ta poitrine. Roule les épaules derrière et lève ta tête. Respire ici. Après, on va écarter les jambes. Donc, tu peux tourner sur les tapis. Écarte les jambes. Et on tourne sur les tapis, c'est OK. On va tourner le pied droit vers l'extérieur. On va lever le bras gauche. Garde les jambes tendues et on va commencer de descendre vers le droit. Tu arrives où tu arrives. Donc, c'est le triangle, mais avec le bras à côté de l'oreille. Continue de pousser les pieds par terre. Allonge le colonne vertébrale. Tourne le ventre, les côtes, la poitrine vers le ciel. Relâche ton mâchoire. Tire les bras loin. Tire les doigts loin. Respire, respire. Inspire, redresse doucement. Relâche les bras. Tourne les pieds. Si tu as un petit peu le vertige, juste descends le menton vers la poitrine. Et quand tu sens rééquilibré, donc le pied gauche vers l'extérieur, on va lever le bras droit à côté de l'oreille. Et avec cette main gauche, tu juste commences d'expirer, glisser, tu descends, tu arrives où tu arrives. Tourne le ventre, le côte, la poitrine vers le ciel. Pousse les pieds par terre. Tire le petit doigt. Tourne le ventre, les côtes, la poitrine vers le ciel. Peut-être tu descends de moi et tu tournes plus, tu vas voir. Yay, inspire, redresse doucement. Amène les pieds ensemble. Trouve la montagne. Juste trouve la montagne. Respire. Et après, trouve en façon de allonger par terre, Shavasana. Donc, allongé par terre. Trouve en position confortable. Position confortable, détendue. Et respire. Si tu as les lunettes, enlève tes lunettes. Mm.
Respire avec tes pieds et relâche tes pieds. Respire avec tes jambes et relâche tes jambes. Respire avec ton sacrum, ton bassin et relâche. Respire avec ton dos et relâche. Respire avec ton ventre et relâche. Respire avec ta poitrine, tes épaules, tes bras, tes mains, tes doigts et relâche. Respire avec ton nuque, ton gorge, ton mâchoire, ton langue, tes yeux, ton front, ta tête. Et relâche. Respire avec tout ton corps, ton peau, ton tissu connectif, tes muscles, tes os, tes vertèbres, tes veines, tes organes sexuels, les organes dans ton ventre, ton diaphragme. Respire avec ton cœur, ton cerveau, tes glandes. Respire avec tes cellules, tes atomes et relâche et relâche. Respire et relâche tout ton corps par terre. Rien à faire, rien à réfléchir, rien à voir, rien à entendre, ressentir, goûter. Relâche tous tes sens, tout ton physique. Et tu es juste en présence qui flotte dans le rien du tout. Cet vaste espace de rien du tout. Rien à faire, rien à réfléchir, rien. Et dans ce rien du tout, il y a la possibilité de tout. Donc juste respire dans cette possibilité de tout, dans cette connexion avec tout. Et juste ressens cette connexion avec tout, avec cet amour inconditionnel. La joie, la gratitude. L'amour inconditionnel, tu juste flottes. Cette vibration de l'amour inconditionnel, la joie, la gratitude qui vibre tes atomes, tes cellules, tes glandes, tes organes, tes os, tes veines, tes nerfs, tes muscles, ton peau, ton corps. Juste ressens cette vibration de tes pieds jusqu'à ta tête, de ta tête jusqu'à tes pieds. Comment tu peux accueillir cette vibration? Comment tu peux ressentir cette vibration grandir avec chaque respiration, cet amour inconditionnel à grandir avec chaque respiration dans tout ton être. Et chaque respiration, ton corps souvient cet amour inconditionnel. Que tu es fabriqué avec cet amour inconditionnel. Respire.
et fais une grande inspiration. Et juste expire. Et bouge tes pieds, bouge tes doigts. Plie tes genoux, roule sur un côté. Et fais un câlin juste pour toi. Un câlin, un moment d'amour où tu touches ton corps, tu embrasses ton corps et tu dis merci beaucoup, je t'aime. Tu es génial, parfait, extraordinaire. Merci, merci. Et avec tes yeux fermés, pousse assise, trouve une position confortable assise. Respire, juste ressens le calme de ton corps, le calme de ta tête, le douceur de ton respiration, les nouvelles espaces, les nouvelles places. Respire. Grande inspiration. Et juste expire. Et ouvre tes yeux doucement. Et merci beaucoup.